Ta femme là, dis-moi au moins, parce qu'on ne peut pas dire à une femme qu'elle me plaît comme ça. Qu'est-ce que t'as fait toi qui te plaît, qui t'enjaille même? Il faut verser ses pieds et voir. Les respectueux. Faut laisser ce... Moi ce côté-là, c'est pas ça qui m'importe. Elle t'a une fois pipé? Oui, elle m'a une fois pipé une fois. Et quand elle t'a pipé, comment tu as trouvé ça? La pipe là? En tout cas, j'ai trouvé ça propre. Ah oui, mais elle pipe ça bien. Oui. Elle t'a pas mordu, pas de blessure dessus. Non, elle n'a pas. C'était bien lisse quoi. Ouais, c'était bien lisse. Ouh là là, mais c'était au paradis, hein, toi? Ouais, c'était au paradis, hein. Ah, d'accord. Oui. Mais vous êtes connus comment? Moi, on s'est connus dans le quartier, on sortait ensemble, on fait tout ensemble, on se cache-cache. On dort ensemble, souvent, je m'avais dormi sur lui, si ses parents ne sont pas là. Souvent, elle aussi, elle vient dormir chez moi. On se cachait comme ça jusqu'à maintenant, ce niveau maintenant. C'est trop fort que moi. C'est trop fort que moi maintenant. Tellement qu'elle est amoureuse même là, tu ne peux plus tenir. Donc, mais les parents au moins t'ont connu, non? Ouais, les parents m'ont connu, mais son père ne veut pas me voir. Mais non. Brusquement, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'on ne veut pas le voir. Tu as fait quoi? Tu aimes les filles, mais elle a dit à ses parents, papa, maman, voici, je vous présente mon ami. Mmh. Et de là, comme ça, brusquement, ils ne veulent pas te voir. Il faut nous dire exactement ce que tu as fait aussi. Bon, moi, je n'ai rien fait. Tout ce que moi, j'ai dit, il dit, ah, je veux votre fille parce qu'on s'aime. Tu as dit à les deux parents là? Oui, oui. Les parents qui nous regardent, on vous a dit ça, non? Oui, ils ont dit ça. Mmh. Maintenant, ils me disent qu'ils ne peuvent pas me recevoir parce qu'ils ont donné la fille à un monsieur depuis qu'elle est petite. Ah bon? C'est des choses comme ça, j'aime ça. Ils l'ont gardé depuis qu'elle était petite fille. Oui, oui. Et le monsieur, oui, oui. Elle a quel âge ta femme là? Bon, elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Ouais. Et le monsieur, toi, tu as quel âge? Bon, moi j'ai 22 ans. Alors, ça c'est le même club ça. Bon, vous là, vous les parents là, je vous dis bonsoir. Je suis la seule là de tout le pleu. Vous qui prenez enfant déjà dans le ventre depuis le mari au dehors là, il est déjà dans le ventre ou déjà, vous faites votre mariage là. Arrêtez-moi ça. Ça, c'est un ancien temps, ça n'existe plus. Laissez les deux enfants vivre leur vie. Où il y a affaire de dire que non, tu ne l'avais pas, vous l'avez déjà, elle est déjà réservée. Hein? Vous qui êtes les parents, c'est ce que vous allez dire. C'est dépassé ça. C'est avant qu'on... Est-ce que maintenant, même les femmes du là, ils ne font plus ça? Chacun fait son choix. Vous allez faire pour dire, on va garder, vous allez lever jusqu'à plus donner à quelqu'un qui n'a plus dedans là. Vous me cherchez vampire pour lui donner. Elle ne va pas prendre celle-là. Moi, je vous dis, nous sommes tous des parents. Nous avons tous nos enfants. Moi, si mon fils même m'envoie une personne qui a un œil, son en bas n'a pas un œil là-bas, l'essentiel, s'il s'enjaille dedans, ça ce n'est pas un problème. Si il m'envoie une femme qui est handicapée, son en bas n'est pas handicapé, s'il peut s'enjailler sur un pied, c'est son problème. Ça ne regarde personne. On vient vous voir quand même, c'est vous que vous plaignez pour dire que, ouais, comment on appelle ça? Elle était déjà réservée. C'est habit de fête. Pourquoi tu vas garder pour porter juste devant vieux? Vous êtes en train de le fatiguer. Et la petite fille, même votre fille, même là, elle est devenue folle même. Elle-même était venue me voir que maman, moi je ne veux pas de vieux comme apprenti. Votre fille même, elle ne veut pas votre périmètre, vous l'avez gardé là. S'il y a quelqu'un de son âge, le lui. Faut dire quand on garde même quelque chose dans une boutique, tu as réservé une chaussure, tu n'arrives plus à payer, tu as appelé le gestionnaire pour dire la chaussure là, je ne prends pas. On ne force pas pour ces chaussées. C'est son genre. Maman, s'ils t'ont forcé pour aller là-bas, il ne faut rien dire. Hein. La nuit, meilleur médicament là. Il faut gratter les testicules du monsieur. Il va te couiller là. Tu lui fais des falles, pipe même, père. Si l'attention, il n'a qu'à rester dessus. Parce que trop, c'est toi, on ne force pas quelqu'un. C'est les deux faces là, je t'ai montré. Tu le pipes. Si c'est un vieux et qu'on n'est pas pipe, tu prends ses testicules là, sa pine là. Tu mélanges tout, tu suis sur ça. Il va dire, ouais. Voilà, quand tu tiens, lui, mais il va déménager. Il va dire, t'as un fait. Voilà, ils vont laisser ça. Problème de couple, sous pression, déception amoureuse, suivez votre nouvelle émission Gourmet Sucré, une émission qui vous plonge au cœur des problèmes d'amour de la vie quotidienne. Un débat entre vous et les invités arbitrés par la sœur Laure de Tout le Pleu avec ses conseils bien pimentés. Ne rates-tu surtout pas Gourmet Sucré tous les vendredis dès 21h sur Ivoire TV Musique, canal 209 de Bouquet Canal.